Un beau jour, une femme elle décide d'acheter un perroquet pour ses filles. Seule chile, elle se rend donc à main du marchand de billets le plus près de ce magasin. Arrivée là, elle veut une affaire vraiment phénoménale. Deux chats heureux pour un magnifique oiseau. Qui, plus que de chat, ira quand elle compte. Estomaquée, elle va virer le 22. Dites, cher monsieur, ça arrive à me dire pourquoi que ce oiseau d'une si grande valeur, il n'est pas entier. Eh ben, petite dame, je sais que qui vient d'une maison close. Et que ce n'a pas là, je n'ai vraiment pas fort correct du tout. Bon, panisquer, hein, bêche n'est pas grave, chat. Je vais l'y apprendre moi-même et je vous le prends tout de suite, savez. Le 22, il y donne même le guéol pour rien et il y va le perroquet. Arrivé à ce magasin, le guéol y est installé au mi-temps du salon. Le perroquet y dit « Nous va le magasin, nous vieux bordel bon, !» La femme, elle se dit que je n'ai pas grave et qu'elle va y apprendre les bonnes manières à ce nojo-là. Ces deux petites filles, elles rentrent et le perroquet le dit « De nouvelles petites prostituées !» Une maman toute peineuse, elle explique à ses enfants que c'est un osio qui vient d'un bordel et que ce n'a pas l'âge, il va s'embellir et de jour en jour. À ce moment-là, et ce nom Robert, là, il rate à ce magasin. Et le perroquet lui dit tout d'un. Nous vieux bordel, nouvelle petite prostituée, mais tout disent bon vieux Robert.